What's up, Jean l'Éternel, j'espère que vous allez tous magnifiquement bien pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis. On est sur en derrière pour une nouvelle mini-série. Aujourd'hui, une mini-série assez intéressante parce qu'au début de la vidéo, il y a un modérateur qui cheat. Ensuite, il y a des youtubeurs qui cheat aussi, qui utilisent des bugs pour traverser à travers la map. Donc, toujours pas rien compris à ça. Il y a eu un triple extrayeur, donc il y avait trois extrayeurs en même temps que, bien sûr, vous savez, les amis, j'ai tout banni parce que je suis le meilleur anti-extrayeur disponible sur toute la planète entière. Et, bien sûr, pour terminer, un speed hacker. Donc, voilà, c'est la vidéo d'aujourd'hui, les amis. Donc, je vous laisse là-dessus, c'était vraiment intéressant. Merci de partager cette vidéo-là à tous vos amis et rigoler tous ensemble avec moi, les amis. Je vous aime et je vous laisse sur la vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et un commentaire. Si on atteint 200 pouces bleus, ça me ferait super plaisir. Allez, allez, je vous aime. Attends, attends, moi je veux savoir pourquoi un modérateur s'est fait ban pour Worst. J'explique, ok? C'est à cause que moi, ok, je suis un instant mental, non, pas de... C'est à cause qu'en fait, avec le fameux, ça s'est mal tourné, ok? Je te parle, ça s'est mal tourné d'une façon assez extrême. Genre, il t'a mis des fesses sans faire exprès, genre? Ouais, voilà. Game ok, pour ok. Moi. Et en bref, il m'a vraiment engueulé, mais pas engueulé, tu vois, comme ta mère t'a cripaillé dans ton lit, tu vois, une coche au-dessus. Ouais, moi, ça arrive à toutes les soirs, on s'en rit pas de ça! Et à cause de ça, ben là, je me suis dit, bon, ça sert à rien que je reste dans le staff, parce que déjà, ça prend mal avec le fondateur, que là, je me dis, bon, tant qu'à faire, on va peut-être quitter le staff en ayant la classe, tu vois, en ayant, tu vois, tranquille. Que là, comme par magie, qu'est-ce que je fais? J'arrive avec un cheat. Yo, ça me fait penser, tu sais, à quoi? Tu sais, c'est une vidéo sur internet quand même populaire. C'est un gars qui travaille chez Sears, genre. Puis il quitte sa job, mais genre, il met dans l'intercom, c'est un job de mort, pis tout. Genre, ça me fait penser à ça. Ok, je t'ai venu juste prendre de tes nouvelles. Bonne journée, mon ami. The fuck, ils sont de l'autre côté de la limite de map. Moi, j'arrive pas à y aller, tu vois. Mais eux, ils sont capables d'aller de l'autre côté de la limite de map. Et là, ils viennent de faire péter cette base. Et là, je crois qu'ils vont être capables de rentrer dedans, en fait, là. What the fuck? Comment je fais pour aller à eux en fait? Attends, je vais TP à eux, peut-être que ça fonctionne. Ça, il faudra m'expliquer comment faire. Ouais, regardez! Je suis en dehors de la map maintenant! What the fuck? Ils ont dû juste bug avec un minecart ou un truc comme ça. Je sais pas, c'est chelou. Pourquoi ils font plus péter en fait? C'est quoi, ils ont déjà accès à la base, non? Allo? Je crois qu'ils ont déjà accès à la base en fait. Pause de 2 minutes à ce qui paraît. Ah merde, j'ai écouté un live, okay. Merde, j'ai écouté un tournoi Fortnite avec mon pote Nayu. Je sais pas si vous vous souvenez de lui, c'était un youtubeur minecraftien, il avait genre 5-6 000 abonnés, il faisait des vidéos avec Kairos et tout. Bah, il est en LAN en ce moment et j'ai écouté la LAN en fait. Donc ouais, comment ça fonctionne ce truc là? Ok, ils veulent aller chercher ce stuff là en fait. Les victimes. Si vous saviez, mais sur ce serveur-là, les gars, vous pouvez avoir le slash fly. C'est pour ça que lui, je pensais qu'il cheatait au début. Mais il est juste en fly, en fait. Vu que vous pouvez faire F fly, un truc comme ça, je crois. Un autre member of any faction, mais ouais, en gros, ouais. Vous pouvez faire plusieurs trucs sympathiques. Donc là, lui, il est en train de créer sa forme à cactus. Wait, what? Ok, non, 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 il utilise Schematica. Et ça, c'est interdit. Attends, attends. On m'a dit que c'était interdit de faire ça. Whoop-a-lay. Wait, what? Attends, ok. Message Crisade. Schematica est interdit sur le serveur. Je dois te bannir. Car... c'est interdit, je fais pas les règles, c'est moi, je suis juste modo. Ok, je vais voir combien de temps c'est banni pour un Schematica et je reviens. Ouais, jeune homme, on vient de me dire que je devais te bannir parce que pour Schematica, moi. Icon, ouais, je veux bien, mais comment je peux être au courant si c'est pas écrit? Bah, c'est écrit dans les règles, c'est écrit dans les règles 100% sûr parce que hier... Je vais vérifier parce que moi j'ai jamais vu ça en fait.
Bah. Pour moi, toi, c'est un mode de construction, toi, donc je sais pas pourquoi c'est interdit. Ouais, je sais pas. Oui, mais c'est interdit dans le sens où, genre, tu poses des blocs automatiquement. Ouais, moi aussi, je sais pas pourquoi c'est interdit, honnêtement, je sais pas pourquoi c'est interdit, je suis du même avis que toi, mais moi, on m'a dit que je devais ban les gens qui avaient Schematical, tu comprends? Ouais, mais je veux bien voir les règles parce que si c'est pas écrit, comment je peux le savoir en fait? Ouais, c'est vrai. Donc, c'est où est-ce que tu vois les règles normalement sur ce serveur? Je m'y connais pas trop. Moi, je suis pas. Normalement. Que t'es modérateur, hein. Ouais, hey, c'est bon, calme-toi là, hein! Daria, attends, je vais aller voir, c'est sur le forum. Mais hein, normalement, ouais, les règles doivent être sur le forum ou. Par règlement. Elles sont sur le forum. Règlement in-game. Vous êtes responsable de votre compte, publicité. Écoute, version, toutes versions des bases minimap sont strictement interdites sous peine de ban. Ouais, voilà. Et les régédites sont autorisées jusqu'à maximum 5 valeurs. Les régédites sont autorisées, mais un truc de construction, c'est pas autorisé. Ouais, moi aussi, je suis d'accord comme toi, tu vois, je suis pas trop d'accord à ça, mais moi, on m'a dit de te bannir. Donc ouais, je vais te demander, regarde, je vais faire en sorte que, je vais dire que tu l'as avoué, comme ça tu vas pas être banni 30 jours, tu vas être banni que 15 jours, ok? 15? Ouais, c'est déjà, c'est 2 semaines quoi. Ouais, c'est 15 jours, mais je vais pas te banner, je vais te banner que 15 jours, parce qu'on va dire que tu l'as avoué, ok? Ok beau gosse? Et je sais pas, peut-être que les admins vont cut ta farm ou quoi, quand ils vont voir ma vidéo, mais moi personnellement je vais pas la cut ou quoi, tu vois, ça c'est tes trucs, mais... Si c'est pas été fait legit, je crois qu'eux, ils vont voir la vidéo et ils vont venir cut ta farm, tu vois. Donc, ouais, je sais pas. Je sais pas comment ça marche avec ça normalement, mais moi je vais te bannir 15 jours, ok. Je suis désolé, mais. Interdit, vu que c'est un mode de construction. Ouais, moi aussi je suis d'accord, je trouve ça un peu bizarre, mais. Non, c'est 7 jours, désolé. 7 jours ? Ah, 7 jours, ouais, okay, voilà, c'est bon. Je vais te bannir 7 jours, ok. Ok, merci. Et vu que t'es sympa, je vais laisser un mot pour pas qu'ils cut ta farm, ok. Auto farm bulge marqué. Ok mec. Ok vas-y. Je t'embrasse, je te souhaite une bonne journée. Les amis, je pense qu'on a DX Rayer, donc je vais m'occuper de eux rapidement. On a Doudou, donc on va regarder Doudou rapidement. Presto, qu'est-ce qu'il fait ce jeune homme? Ok, il a oublié un diamant. Ok, on va rien dire. Mais il mine vers l'émeraude directement. C'est quand même assez bizarre, hein. Je veux dire, il regarde l'émeraude. Oh, j'ai trouvé de l'émeraude. Hey, salut l'émeraude. Il regarde pas mal dans les murs aussi quand il mine, un peu bizarre. Quand je vois le ban, ok, je vais lui dire qu'il a oublié un diamant. Je suis sûr qu'il est extrait 100%. Là, il va s'en aller vers le diamant qui est l'autre côté encore. Il est pas exactement là, il est l'autre côté de la redstone. Donc, il voit toujours pas encore, il voit toujours pas. Bizarrement, il voit pas. Même s'il prend la redstone, il voit pas le diamant. C'est pas possible, il voit pas le diamant. Mais regardez, tu vois, il voit pas le diamant même s'il prend la redstone. Mais bizarrement... Oh, il regarde la terre. Les amis, je pense que nous avons un X-rayer. Boum, boum. Salut, mon ami. Message, Doudou. Tu es un saleté de mauvais X-rayer. Tu as raté du diamant sur ton passage. Tu me déçois. Putain, il y a vraiment des gens, ils savent pas cheat en fait. Genre, si tu veux cheat, cheat correctement, tu vois. Mais là, non, pas du tout. Ça cheat pas correctement, ces petits bâtards. Oh là là. Bon, on va le laisser là. On va le laisser poireauter. Il veut pas nous parler. Donc, on va le laisser. Message du loup. Tu avoues avoir X-ray. On va lui demander quand même. On va le spam un peu. Peut-être qu'il voit pas à cause du message de freeze, tu vois. Donc. Quand même lui demander. Je vous prends s'il me répond. Je crois qu'il y a un pote à lui qui est en train d'X-ray aussi. Je crois que ce gars-là est en train d'X-ray. Donc on pourra faire un 2 en 1. Oh, il y a un autre gars, je crois, qui X-ray aussi. Attendez. What the fuck. Il est un peu bizarre, lui, ok. On va aller voir un autre gars. Ok, attends. Lui, est-ce que tu crois que. Lui, est-ce qu'il cheat? Il regarde à travers les murs un peu. Il regarde encore à travers les murs. Il y a du diamant juste en face de lui. Est-ce qu'il va aller chercher? Donc le gars, il s'appelait Doudou le premier. Donc faut se rappeler, ok. Faut se rappeler. Donc, lui, il regarde pas mal à travers les murs. Donc, je pense que lui aussi, il serait... Est-ce qu'on aura un triple ban? Oh mon dieu, ça serait la meilleure ligne de ban de ma vie, gros. Ok, là, il y a rien. Là, il mine aléatoirement. Je pense qu'il a vu le diamant qui est tout droit là. Donc, je crois qu'il va foncer directement au diamant. Selon mes calculs mathématiques, ce gars-là est cheat, ok? Je suis 100% sûr, à 100% que ce gars-là est cheat. Il y a pas d'excuses ou quoi. Il n'y a pas de... Attendez, on va regarder vite fait. Il n'y a pas de fortune. Il y a 8 diamants. Mais ça semble être un cheater. On va voir. Oh! Dame se rage pas. On va retourner là.
Donc c'est un peu bizarre qu'il ait trouvé le diamant comme ça. On va quand même continuer à le regarder lui. Il n'y a pas d'autres diamants proches de lui. Ok, il y en a là. Donc ok, on va voir lui. On va retourner au slashback. Putain, c'est compliqué de gérer plusieurs extrayeurs en même temps là. Donc, ok, lui il s'en va vers du diamant. On va voir encore lui. Donc lui, il a l'air à remonter un peu. Est-ce qu'il va aller au diamant qui est là? Je crois que oui. Donc ça va nous faire un triple ban. J'ai X-ray, ok. Donc là, il a dit j'ai X-ray doudou. Donc ça, on sait qu'on va le ban après. Donc lui, pour l'instant, il a pas l'air d'aller vers le diamant. Ah, en fait, si. En fait, si, il va vers le diamant. Ok, on va vite fait aller voir l'autre, qu'est-ce qu'il fait. L'autre, il est reculé. Ok, parfait. Donc l'autre, il s'en va directement au diamant. Et on va le freeze directement. Boom. Message, dams. Pourquoi tu X-ray? Donc on va faire un triple ban, je crois. Pourquoi tu X-ray? On va lui demander déjà s'il avoue avoir X-ray. Parce que s'il l'avoue pas, ça va être 30. Ça va être je sais pas combien de temps. Donc oh là 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 là, le triple ban peut-être. Le triple ban. Faut que je continue à regarder l'autre en fait. Il est où? Il est où l'autre? Il est parti? Non, il s'est pas échappé quand même. Sinon. C'était quoi son pseudo? C'est quelque chose. Il s'est échappé. Fuck. C'est pas grave. On va voir s'il nous a répondu. Non, il nous répond pas. Donc, on va faire un double ban quand même. Dams, 14D, X-ray. Ok. Et temps ban, doudou. C'était quoi son pseudo? C'était quoi son pseudo? C'était ça. Temps ban... 14... Oups. 14D. Tu as laissé du diamant sur ton passage. Mauvais X-rayer. Voilà. Il est banni. Double bannissement, gros. Putain, ça fait plaisir. Ouais, donc, comme vous avez vu au début de la vidéo, les gars, j'avais trois gars qui étaient en train de piller en dehors de la map. Donc, Arix, Bytees et Omega. L'admin vient de me dire qu'il fallait que je les bannisse chacun 20 jours pour usebug interdit border. Donc je l'ai fait, donc voilà, je voulais juste vous dire qu'en fait c'était interdit, tu sais, quand je me demandais qu'est-ce qu'il, comment il faisait, à skip c'était interdit, donc je savais pas du tout, je vais pas que vous m'insultez dans les commentaires ou quoi, je suis vraiment désolé les copains. Ah, j'ai trouvé un cheater, putain. Ouais, ça va. Ah merde, il y a les modos qui parlent et tout. Bienvenue sur le serveur ou pas, Wit Sauvage non. Lui c'est un cheater. Ah, je l'ai vu Speedak. Je l'ai vu Speedak 100% et cheat. Et lui c'est son compatriote. Slash ban, VC, Speedak. Ouais, casse pas les couilles, hein. Je vais le bannir, on va le bannir 30D parce que je sais pas combien de temps ça c'est. Boom, allez casse-toi. Et Venom, ban, comment il s'appelait Venom? Il a drop tout le stuff à Venom en fait. Donc on va se TP à lui. Phantom plutôt. Message, freeze, Phantom. Arrête mec, j'ai pas d'armes. Ta gueule! Je t'aurais fait ma vidéo! C'est moi, il essaie de fly en freeze en fait là. Message, Phantom, rend le stuff. Ah, mec, il m'a énervé que là. Le cheater t'a donné. Vocabulaire, jeune homme. Toi, ton. Toi-même. Tu fais une vidéo là, écoute. Ouais. À 5h du matin. Il a fait une vidéo putaclic qui s'appelle Cafaction. Toi-même, t'es un putaclic, gros fils de pute. Après, il y avait. J'ai enfin trouvé un ami, ça c'est là un peu plus. Oh le fils de pute de Lyon et cheat. Slash freeze Lyon. C'est bon, vous avez freeze le gars. Bon, il est où? Allez, tu t'es déconnecté en tant que freeze. T'es ban. T'es fils de pute de merde de mes couilles de casse-couille!